pour un bon repas, toujours prendre le riz Uncle Sam. Seul le riz Uncle Sam, que j'ai mangé toute ma vie, nous a apporté beaucoup de joie et de bonheur. La famille Uncle Sam s'agrandit avec deux nouveaux formats de 2,5 kg et de 4,5 kg. En plus, elle a un nouvel emballage sécurisé, pratique et conserve le parfum si bon qu'on lui connaît. Uncle Sam, il reste le meilleur. Hey Allah, Soumara l'Afrique, gagne. Soumara l'Afrique, gagne. Aïna. Aïna, l'amour, kadi, Soumara l'Afrique, gagne. Aujourd'hui, je vous fais une recette à base du soumara. C'est le soumara l'Afri. On y va! Et bien, pour faire mon soumara l'Afri, il me faut de la poitrine de bœuf, du jarret de bœuf, du riz Oncle Sam, de belles tomates fraîches, de l'aubergine, du piment, des feuilles d'oignon, de la poudre de crevettes, de la poudre de poisson, du crabe femelle, il faut qu'il ait des œufs à l'intérieur, des gombos, de l'huile, 2 cubes d'assaisonnement et pour terminer, ma poudre magique, l'élément principal du repas, le soumara. Maintenant, opération préparation, c'est parti! Maintenant, je commence par mettre mon eau au feu et j'ajoute mes légumes. D'abord, les gombos, ensuite mes aubergines et pour terminer, voilà, de l'huile, mais juste ce qu'il faut. Hein. Je laisse bouillir pendant 10 minutes, à tout à l'heure. Mes 10 minutes sont passées, je vais maintenant ajouter mon riz à ma préparation. Allez, hop, hop, hop. Voilà. Une petite spatule pour remuer le tout. Voilà, c'est bon. Je referme. Et pendant ce temps, je m'attaque à mon mélange. J'utilise ma poudre de poisson, ma poudre de crevettes, ma poudre magique, le soumara. Un peu de sel, mon cube d'assaisonnement. Voilà, on mélange bien. Eh bien, comprenez que le soumara, vous pouvez l'utiliser dans de nombreuses sauces. Hein? Et ça, tout le monde le sait, j'en suis sûre. Hein? Si vous avez la tension artérielle et que vous consommez constamment le soumara, ça permet de stabiliser votre tension. Avis aux hypertendus, consommez du soumara à fond. Ok, je crois que c'est bon, hein? On est bon là. Maintenant, on va incorporer notre soumara. Mais attention, hein, avant de l'incorporer dans notre riz Oncle Sam, il faut vérifier que l'eau soit complètement évaporée. Vous voyez comme ça, on fait des trous de part et d'autre. Hein. Voilà, vous pouvez pousser vos aubergines pour avoir plus de place. Et hop, un dernier trou. Voilà, je crois que c'est bon. Comme ça. Une dernière petite touche. Comme ça. C'est bon. On va recouvrir et on laisse cuire à feu doux pendant 30 minutes. Pour faire du soumara l'Afri pour 4 personnes, il nous faut un demi-kilo de poitrine de bœuf, un demi-kilo de jarret de bœuf, 500 g de riz Oncle Sam, un crabe femelle, 4 tomates fraîches, 4 aubergines, 5 gombos frais, 2 oignons, un éclat d'ail, 3 piments,
2 cuillerées à soupe de poudre de crevettes, 1 cuillerée à soupe de poudre de poisson, 5 cuillerées à soupe de poudre de sous-marin, 1 botte de persil, 1 feuille d'oignon, du sel, 2 cubes d'assaisonnement et 1 quart de litre d'huile. Vous êtes en train de faire une pâte et vous voulez ajouter du beurre? Eh bien, c'est très simple. Il suffit de laisser le beurre refroidir, comme ça, votre pâte sera plus homogène. Voici mon sous-marin Lafri, cuisiné avec du riz Oncle Sam. Et pour l'accompagnement, je vous ai fait un sauté de viande avec quelques légumes. Ok, sur ce, je vous dis... En destinio! À demain!